On s'est régalé, on a passé une super journée avec Julie, la meilleure amie de ma femme et Alex. On s'est régalé, c'était trop bien, il y avait leur petite fille et tout. On a profité de la piscine, on a rigolé, on a parlé. Et là, ils viennent à peine de partir. Et nous, on s'est fait la petite histoire. Papa, tu vas tomber ici. Non, je vais pas tomber. T'inquiète. Tu prends soin de moi ? Oui. Ah, merci. Ben. Tu me ferais un gros bisou ? Oui, je sais. Tu me ferais un gros bisou à ton papa ? Moi, ici. Je m'assise avec toi. Oui ? Et tu voudrais me faire un gros bisou ici ? Ok. Tu m'aimes comment ? Tu m'aimes comment ? Tu m'aimes très très fort ? Oui, ça. Tu m'aimes très très fort ? Faut être capitaine. De quoi ? Oui, ça. Faut appuyer là ? Oui. C'est déjà appuyé. Ils sont où ? Tu m'aimes comment ? Fort, 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 fort ? Ils sont où les nouvelles ? Tu m'aimes d'un amour ? Ils sont où les nouvelles histoires ? Elles sont là-bas à droite. Allez, choisis l'histoire, Mayotte. Ah, tu m'aimes d'un amour ? D'accord, ils sont à droite. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Depuis ce matin, on est en préparation. Demain, nous, avec ma femme, on part en Croatie pendant 4 jours, 5 jours. Et les enfants vont rester chez mes parents, donc chez les grands-parents. Les 5 derniers jours de vacances où ils vont profiter d'eux. Après, de toute façon, on profite encore, mais plus chez eux. Donc là, ils auront bien profité cet été. Et donc, on est en train de préparer les valises pour eux et pour nous, tout simplement. On va profiter aussi du soleil, on va profiter de tout. Voilà, franchement, c'est passer un bon petit week-end. L'été passe à une allure folle. On va vite rentrer de Croatie, ça va s'enfiler, on va vite rentrer à Dubaï. Donc voilà, ça passe à chaque fois vite. Avant, on descendait 3 mois et demi. Maintenant qu'on a les enfants qui rentrent à l'école et qui ont des horaires bien spécifiques, on essaye de bien carré-cadrer le truc et du coup, on rentre tôt cette année. Donc voilà. Et ça passe à une heure tellement vite. En tout cas, j'espère que vous allez. Allez, petit repas en famille. On finit toutes les crudités, tous les restes. Qui c'est qui va manger quoi ici ? Moi, tu vas manger quoi toi ? De la salade. Ok. Des tomates, ouais. Des tomates, ouais. Radis, ouais. Et c'est tout. Et toi, Liwen, tu vas manger quoi là ? Des jambons. Et des nuits. On joue à cache-cache. C'est toi qui compte. C'est moi qui compte. Ok. Non, Liwen, va là-bas. Alors depuis tout à l'heure, il est en train d'essayer, je sais pas si on la voit, il y a une libellule qui tourne autour de la piscine et il essaie de l'attraper avec sa Pokéball. Le problème c'est que sa Pokéball, elle est tombée dans l'eau. Mais tu vas peut-être rattraper un Magikarp là. Mais va la chercher, elle est là-bas. Voilà ma. Allez, attrape-moi ce libégon. Attrape-le. Ouais, tu l'as capturé, je crois. Non. Attraper qui ? Hippocéan. Hippocéan, bravo. On pourra faire un combat après. Papa ? C'est l'heure du petit yeti entre nous ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? T'as pris quoi comme goût, toi ? Citron. Et moi ? Coca. Tu m'as dit quoi ? Non-discussion. C'est quoi qui est non-discussion ? On dit allez papa, on n'a pas fini de discuter. Parce que ça fait une heure et demie qu'on est en train de parler là-bas tranquille. On va parler encore. Tu veux qu'on parle encore ? Oui. On parle de tout, de rien, de ses activités, ce qu'il aime faire, ce qu'il aimerait faire. Pour ça. Il me disait qu'il voulait être grand, je disais que moi je voulais être petit. Pour tout.
On discute, on se régale. C'est la fin. Hein. T'as cueilli quoi, Liwayne? C'est quoi que t'as pris? Et toi, t'as pris quoi? De tomates. Wow, dans le petit jardin de papier mamie. Sans pesticides. Je suis chez mes parents, du coup, ils m'ont retrouvé des objets précieux. Cette première PSP. Putain, c'était GTA que j'avais dedans. Il n'y a pas les jeux là, comme on ouvre déjà. Il y a dedans. Ah, il n'y a plus le jeu. Il n'y a plus rien. Ça, c'était la boîte de protection. Ça, c'était un appareil photo. Même pas numérique. Oh, le seul survivant. Astérix. C'était ma chaîne de basket, ça ouais. Ma médaille d'or de basket. Non, c'est du handball, ça. Ça, c'était le handball. Puis ça, je sais pas ce que c'est. Et une autre médaille d'or, je sais pas ce que c'est. En plus, c'est des Jeux Olympiques. On voyait que j'étais déjà fan de montres. J'avais acheté ça dans un hôtel à Malte, à La Valette. Mais elle a pas bougé en vrai. Elle a jamais branché. Regardez, c'est le plus petit dictionnaire qui existe au monde, le Larousse. Il date. Qui l'a eu ça? J'avais ramené ça de Tunisie. Qui se rappelle de ça? J'aime lire. C'était celui avec qui t'apprenais à lire. T'as pour le Harry Potter de ouf. Oh, les orphelins Baudelaire.